Fabriquer de l'eau de lune, un rituel aux multiples propriétés. Les ondes électromagnétiques émises par les rayons lunaires sont captées par les molécules de l'eau. Elles restent prisonnières du liquide tout en gardant leurs propriétés physiques et surtout énergétiques. L'eau de lune s'imprègne de l'énergie lunaire. Elle possède des pouvoirs nettoyants, régénérants, apaisants. On peut la boire, la mélanger à la nourriture, l'utiliser pour des soins, ainsi de suite. Préparation. L'eau de lune est l'eau qui a été chargée et enchantée par les rayons lunaires. La pleine lune ou la nouvelle lune est une fabuleuse occasion de créer sa propre eau de lune. Tout d'abord, vous devez sélectionner un flacon ou une bouteille pour contenir votre eau chargée magiquement. Il devra pouvoir se refermer hermétiquement et il est préférable qu'il soit en verre. Choisissez une bouteille de la couleur que vous désirez. Bien que l'énergie de l'eau de la lune soit suffisante pour purifier, vous pouvez également superposer cette magie en ajoutant une attention spécifique telle que de l'amour, la guérison, la purification, la divination. Vous pouvez même faire correspondre la couleur de la bouteille à votre intention magique. N'oubliez pas de rincer votre bouteille avec de l'eau salée pour éliminer toutes les énergies que vous ne souhaitez pas ajouter à votre eau de lune. Vous pouvez également décorer votre bouteille avec la lune, avec des symboles d'eau, des stickers et encore une fois, ils peuvent se coordonner avec une attention magique supplémentaire ou simplement se concentrer sur la lune. Mise en garde sur l'utilisation de cristaux dans l'eau de lune. Si vous prévoyez d'ingérer l'eau de lune, la meilleure pratique consiste à ne pas inclure de cristaux car ils peuvent être dangereux. Si vous choisissez d'inclure des cristaux, assurez-vous de bien les choisir attentivement. Nous allons faire votre eau de lune. Remplissez votre récipient d'eau ou meilleur encore, prenez de l'eau de source. Gardez à l'esprit que l'eau de source est vivante et peut devenir plus efficace encore avec le temps. Si vous choisissez d'utiliser l'eau de source, vous devez utiliser votre eau de lune avant la prochaine pleine lune. L'eau des rivières, des lacs et des océans a une durée de vie similaire. Conservation de votre eau de lune pourra se faire dans le frigo. Cela prolongera sa durée de vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres objets magiques tels que du sel de mer, des coquillages, un cristal ou une pierre spéciale. Il est préférable de ne pas ajouter d'herbes fraîches ou séchées car elles pourraient pourrir avec le temps. La magie de la lune. Une fois remplie, mettez vos mains autour de la bouteille et chuchotez-lui votre attention. Demandez à la lune de bénir cette eau avec sa magie. Puis posez votre bouteille à un endroit où elle recevra les rayons de la lune. Cela peut être à l'intérieur, sur un rebord d'une fenêtre. Installez-la avant que la lune ne se lève, mais après le coucher du soleil, et assurez-vous de retirer avant que le soleil se lève. Comment utiliser votre eau de lune? Une fois que vous avez votre eau lunaire magique, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de rituels. Ajoutez quelques gouttes d'eau de lune à votre bain pour un bain de lune magique. Bénissez votre maison ou les objets, vos outils ou vos cristaux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour votre autel. Vous pouvez même boire quelques gorgées ou ajouter quelques gouttes de cette potion magique à votre thé ou à votre eau ordinaire pour ingérer l'énergie de la lune et de la déesse. N'utilisez pas de cristaux si vous buvez la bouteille. Assurez-vous d'étiqueter votre eau de lune avec la date, la phase de la lune et le signe astrologique que la lune était à l'époque. Vous pouvez choisir de stocker votre bouteille dans un endroit sombre afin de ne pas dissiper la magie lunaire contenue. Vous pouvez aussi l'envelopper dans un tissu opaque ou chargé d'intention. Et encore une fois, vous pouvez la stocker dans votre réfrigérateur. Maintenant, je vous souhaite une bonne eau de lune.